Nous sommes venus ici ce soir pour nous abandonner entre tes mains. Tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Moi, je vous donnerai du repos. Nous savons combien c'est temps de la fin. Ce sont des temps tellement difficiles. Oh, nous sommes chargés avec beaucoup de soucis, beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés. Nous sommes constamment sous pression. Et toutes ces choses aussi agissent sur nos vies spirituelles. Ça pèse. Ça nous refroidit. Ça nous donne parfois de l'indifférence. À cause des problèmes de la vie, à cause des fardeaux, à cause des pressions qui pèsent tellement sur nous. Mais toi qui as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, c'est parce que tu as la solution à tous ces problèmes. C'est pourquoi, Seigneur, nous voulons rendre ces 3 jours de prière pour venir devant toi, Seigneur, afin que tu nous décharges de ces fardeaux et que tu puisses rajeunir chacun de nous, Seigneur. Tu donnes à chacun de nouvelles forces pour qu'il puisse s'envoler très loin, qu'il puisse quitter, fuir les choses du monde et aller s'établir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Père, nous avons vraiment besoin de ta grâce ce soir. C'est pourquoi reçois chacun de nous, Seigneur. Ne nous laisse pas sortir avec nos fardeaux. Ne nous laisse pas sortir avec nos maladies. Aide-nous ce soir. Accorde-nous ta grâce. Eh Seigneur Dieu, toi qui as dit tu es un secours, un grand secours pour ceux qui espèrent en toi, fais-le ce soir. Au nom du Seigneur Jésus Christ, reçois notre offrande. Yamba libonza na biso. Reçois nos prières. Yamba mabondeli na biso. Pardonne nos fautes et nos manquements. Limbisa mabunga na biso pe bikweli na biso. Si nous sommes éloignés, soki tokei mosika, si nous avions fait des choses qui n'étaient pas justes, soki tosalaki makambo ma malongo bana kite, nous avions entendu des choses qui n'étaient pas correctes, toyoka ki makambo mazalaki malamu te,
Ces choses ont commencé à peser sur nous. Et ça nous a refroidi. Nous avions maintenant difficile à prier. Nous avions difficile à lire la Bible. Tellement nous avons entendu et vu des choses qui n'étaient pas justes. Mais toi le rocher, viens nous débarrasser de toutes ces choses. Viens nous laver. Viens nous purifier. Viens nous sanctifier. Viens nous donner le véritable repos. Et le repos, c'est le baptême du Saint-Esprit. C'est la nouvelle naissance. Aide-nous ce soir. Alors que nous nous abandonnons. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse tous. Si nous pouvons juste nous lever et lire Psaume 103. Juste le verset 1 jusqu'au verset 5. Verset 1 jusqu'au verset 5. Allons-y. Celui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Esaïe chapitre 40. Esaïe chapitre 40. Verset 26. Nous pouvons commencer juste au verset 27. Allons-y. Le Seigneur vous bénisse. Nous voulons encore une fois demander à Dieu pendant ces réunions de renouveler nos forces. Pourquoi cela doit être notre prière? David dit, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint nom. Mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. Qu'est-ce que Dieu fait? C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Qui guérit toutes tes maladies. Qui te délivre ta vie de la fosse. Qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien
ta vieillesse. Ye oyo boye atondisi bununu na yo na biloko. Il fait toutes ces choses pourquoi? Qui te fait rajeunir comme l'aigle. Ye oyo boye azali kozongisa yo elenge lokola pongo. Te rajeunir comme l'aigle. Azali kozongisa yo bole na bolenge lokola pongo. Dans Isaïe chapitre 40, Jacob, Israël s'est plaint devant Dieu. Pourquoi dis-tu Jacob, pourquoi dis-tu Israël, ma destinée est cachée devant l'Éternel? Pour dire, je ne sais pas, mon avenir, c'est confus. Je ne vois pas où est-ce que je vais. Je ne comprends pas qu'est-ce qui va m'arriver dans les jours à venir. Tout ce que j'essaye de faire, ça ne marche pas. Mon droit passe inaperçu devant Dieu. Tout ce que je demande, tout ce qu'il m'a promis, mes droits, c'est comme si Dieu ne les voit même pas. Tout ce que je lui demande, ça ne marche pas. Je n'obtiens pas ce que je cherche. Mon droit passe inaperçu devant Dieu. Tout ça, ce sont des inquiétudes, ce sont des soucis. Ce sont des points sur notre vie spirituelle. Quand les choses ne semblent pas marcher, quand il y a des difficultés, quand il y a des problèmes, quand on est dans un environnement hostile, difficile, tout ça, ça devient des inquiétudes et beaucoup de soucis. Et tu commences même à te plaindre, mais où est Dieu dans tout ça? Où est-ce qu'il est? J'ai pris, c'est comme s'il n'écoute pas. Dieu dit, ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. Hein, parce que peut-être que Dieu est fatigué d'écouter mes prières. Il est fatigué d'écouter mes plaintes. Je ne prierai même plus. Je n'irai même plus à l'église. Tous ces points, ça commence à peser. Et ça commence à t'amener dans une certaine apostasie. Mais Dieu dit, je suis le Dieu d'éternité. J'ai créé les cieux et la terre. Il ne se fatigue point. Il ne se lasse point. Et on ne peut pas sonder son intelligence. Tu ne peux pas comprendre sa pensée. Tu ne peux pas peut-être penser que bon, il ne veut plus écouter. Et peut-être les gens qui sont tout autour de toi. Mais où est ton Dieu là? Allez, venez chez nous. Tu verras ça. Et tout ça, ça commence à peser tellement sur toi. Et ça réduit ta force. Hein, c'est comme quelqu'un qui a un grand poids, qui ne sait plus marcher rapidement. Tellement le poids est grand, il commence à marcher lentement. Mais Dieu te dit que je suis le Dieu d'éternité. Je ne me fatigue point. Il ne se lasse point. On ne peut pas sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Quand
Ça dépasse. Il faut simplement venir vers lui, courir vers Dieu. Les adolescents se fatiguent et se lassent, les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel, ceux qui ont confiance en Dieu, ils renouvellent leur force. Ils renouvellent ceux qui se confient, renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Vous voyez que des deux côtés, que ce soit David, que ce soit Isaïe, David, il est en train de parler de rajeunir. Ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ils ne se lassent point. Ils marchent et ils ne se fatiguent point. Même s'il y a des problèmes, même s'il y a des pressions, ils savent où aller pour recevoir de nouvelles forces. Et nous savons qu'il n'y a que Dieu seul qui peut renouveler nos forces. Dieu nous compare aux aigles. Frère Banam dit dans le message, laissez passer la pression. Hein, parce que nous vivons un temps difficile. Un temps où il y a beaucoup de pression, il y a beaucoup de problèmes. Hein, ça commence à peser sur chacun de nous. Et il y en aura beaucoup qui vont se fatiguer. Il y en a beaucoup qui vont se lasser. Il y en a beaucoup qui vont abandonner. Ils vont dire non, non, Dieu n'écoute plus mes prières. Dieu n'est plus là. Et puis après, il va abandonner la parole. Frère Banam dit, dans ce message, laissez échapper la pression. Il dit ceci, je me suis dit, que dois-je dire à cette assemblée? Ils sont probablement bien enseignés sur tout, sans doute. Mais il y a une pression sur les gens aujourd'hui. Et cette pression n'a pas de restrictions ni de limites. Elle n'a pas de limite d'âge. Cette pression, c'est quoi qui agit sur les gens. Elle ne fait exception des personnes. Elle s'exerce sur les jeunes comme sur les vies, sur les bons comme sur les méchants. Elle s'exerce sur tout le monde. Cette pression, ce poids-là, il y a quelque chose qui se passe aujourd'hui dans le monde. Nous vivons dans un âge de névrosé. Un âge de tension nerveuse. Tout le monde court ici et là. Mais ne va nulle part. Et cela n'arrive que dans un tel âge. Et je sais que cette église est harcelée par cela, comme aussi c'est partout. Le tabernacle est harcelé partout. Des pressions, des problèmes et toutes sortes de choses
qui pèse sur chacun d'entre nous. C'est un jour de dépression. Dans les derniers jours, on vivra des temps difficiles. Des temps périlleux. Un temps périlleux, c'est comme quand vous êtes dans un petit bateau, dans une pirogue, ou dans un avion. Vous passez dans une zone où il y a tellement de vent, tellement de troubles. L'avion est en train de basculer dans tous les sens. Et ça met tout le monde sous tension. Ils ne savent pas qu'est-ce qui peut arriver. C'est le temps dans lequel nous vivons. On est pressé, on est pressé, on est pressé, puis on attend. Et puis, avec cet empressement et parfois même l'excès de vitesse, la femme dit quelque chose d'un peu contraire et vous voulez vous déchaîner, la colère. Le mari dit quelque chose et vous tapez du pied et vous lui dites d'entrer dans la chambre. Moi, je ne suis pas d'accord. Donc il y a toutes sortes de choses et de pressions. Maintenant, mon mari, je ne veux pas qu'on se dispute, toi et moi. Allez, sors ici, ou toi, ma femme, allez. Quitte. L'homme dit, je suis très nerveux. Les enfants font quelque chose, on se fâche. C'est comme s'il y a quelque chose de drôle qui est en train de se passer parmi les gens. Et avec tout cela, ces tensions, ça s'accumule. Et il s'ensuit qu'on fait quelque chose de faux, qu'on agit mal. Cela amène même le pauvre à agir de cette façon. Cela amène les gens de la classe moyenne à agir de cette façon. Cela amène les riches à agir de cette façon. Cela amène les mauvais à agir de cette façon. Cela amène ceux qui sont bons d'agir de cette façon. Ceux qui sont assez bons d'agir de cette façon. Tout le monde, nous sommes embarqués dans ce même bateau. C'est à cause de la tension et de la pression. Vous voulez faire quelque chose, vous voyez que ça ne marche pas. Tu t'énerves. Pourquoi ça doit marcher comme ça? Pourquoi ça va comme ça? Ça te met sous tension. Tu veux essayer un commerce, ça ne marche pas. Ça te met sous tension. Tu veux faire ceci, ça ne marche pas. Dans la famille, tu fais parfois même quelque chose de bien, les gens sont contre toi. Et tout ça ne fait que s'accumuler. Dans la maison, la femme parfois fait des choses qui ne sont pas correctes. Ça te met sous tension. L'homme parfois fait des choses qui ne sont pas correctes. Ça te met sous tension. Les enfants font des choses qui ne sont pas justes. Ou parfois même s'ils font parfois des choses justes, toi tu vois comme si c'est mauvais. Pourquoi toutes ces choses?
On est sous tension. C'est pourquoi Jésus avait dit, prenez garde à vous-même. Prenez garde à vous-même. De crainte que vos cœurs ne s'apaisantissent. Il faut laisser échapper cela d'une manière ou d'une autre. Si vous ne le faites pas, vous allez exploser. Ce qui est sali bongote, okopanzana. Ça commence à peser. Ça commence à peser. Pourquoi ceci ne marche pas? Pourquoi les affaires ne marchent pas? Pourquoi je ne trouve pas du travail? Tout ça, c'est le temps dans lequel nous vivons. Paul avait dit, Paul dans les derniers jours, nous vivrons des temps difficiles. Il y aura des temps périlleux. Parce que les hommes seront égoïstes. Les gens seront cupides. Amis de l'argent. Égoïstes. Un temps très mauvais. Et Branham dit, c'est ce que nous voyons. Cela s'accumule au fur et à mesure que les jours passent. Vous parlez à votre patron si vous êtes au travail. Oh, ceci est cela. Vous voudrez adresser le patron, ne te comprend pas. Vous vous adressez à votre enfant, viens ici. L'enfant n'obéit pas. Et tout ça, ça ne fait que s'accumuler. C'est que tu rencontres au travail. C'est que tu trouves à la maison. C'est que tu trouves dans, au marché. Tout sort de problèmes, ça s'accumule. Frère Branham dit, vous vous sentez comme si votre tête va éclater. Branham dit, je le sais. J'expérimente cela chaque fois. Et je sais ce que ça représente. J'étais dans un certain hôpital. Notre pasteur, je pensais qu'il était malade. Il parlait de Neville. Mais il était simplement épuisé. Il a couru, 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 au point qu'il était épuisé. Ils ont téléphoné là au bureau et ils ont demandé si je pouvais faire ces visites. Parce qu'il était tellement, il a fait cesser, il devait faire ça. Il était tellement fatigué. Tout le monde, cela, ça devient un âge de névrosé. Tellement la tête fait mal. Ça amène la gastrite. Ça amène des cancers. Des soucis, des problèmes. Comment donner à manger aux enfants? Tu vas au travail, ça ne marche pas. Et comme conséquence, ça t'épuise. Ça commence à peser sur toi. Allons à l'église. Mais qu'est-ce que je dois encore aller faire à l'église? J'ai prié, j'ai demandé à Dieu, il n'y a pas de réponse. Je préfère même rester à la maison. Vous sentez maintenant l'amour pour Dieu, ça commence à diminuer. Ça commence à diminuer. Lire la Bible, ça devient difficile. Il préférerait mieux rester là. Penser. Ma femme fait ceci. Mes enfants font. Penser. Tu n'as même plus le temps.
de pouvoir lire la Bible. Tu n'as plus le temps de pouvoir t'envoler loin. Tu deviens comme un aigle. Enlacé, lié. Dans une cage. Frère Branham dit, tout le monde est sous tension. On n'a pas de temps. Et cette tension nerveuse, ça s'accumule. Au point que ça brise les choses. Ça amène même les gens à garder rancune. Quand ils sont rejetés, quand ils sont repoussés, et à dire des choses qu'ils n'ont même pas l'intention de dire. Il y a des comportements des gens, toutes sortes de choses. Et tout cela des conséquences du poids et des choses qui pèsent. On est obligé de dire des choses qu'on ne peut pas dire. Tout le monde est coupable. Même moi je suis coupable. Vous en êtes tous coupables. Et parfois nous faisons des choses sous pression. Des choses qu'on ne ferait pas dans d'autres circonstances. Parce qu'il y a une surpression qui s'accumule. La crise partout. Tout ça, ce sont des prophéties qui s'accomplissent. Je suis en train de voir comment ce grand Dieu est en train d'accomplir sa parole. Je peux voir combien maintenant en Europe tout le monde est en train de pleurer, Des nations puissantes comme la France. Des nations puissantes comme l'Italie. Les pressions viennent. Les gouvernements sont bouleversés. La politique est bouleversée à cause de la crise, à cause des choses qui arrivent, et les gens ne savent plus à quoi s'en tenir. Et ce sont des maux de tête, ce sont toutes sortes de maladies qui viennent, des chômeurs qui ne savent plus trouver du travail. Il y a un pays, je ne sais pas, en Espagne. On doit réduire les salaires des gens presque à 4. Ils doivent recevoir un quart de leur salaire. Branham dit, tout ça s'accumule. Quand papa ne sait plus payer les Minerva, quand la maman ne sait plus avoir à manger, vous voyez les papas commencent à se mettre en colère. Vous voyez les papas qui commencent à répondre mal. Tout ça c'est quoi? C'est la pression qui agit. Branham dit que je crois que c'est l'ennemi qui vient et qui exerce cette pression. Je crois que c'est le diable. Et nous savons que la venue du Seigneur est proche. L'enlèvement. Et la Bible dit que dans les derniers jours, les diables rôderaient comme un lion rugissant. S'il peut vous amener à être sous pression, à vous empresser, à écraser quelque chose, vous prendrez des décisions que vous n'aurez pas prises si vous étiez assis et y avait réfléchi.
Je prends la décision, allez, je fais ceci. Allez, je prends la décision, je quitte ici. Je prends la décision, je vends ceci. Je quitte ici, je vais là-bas. Tu penses qu'en quittant ici, en allant là-bas, tout va mieux aller. Tu vas là-bas, tu trouves que c'est pire encore. Et tu ne sais plus quoi faire. Ah, dis non, je vais aller à Brazzaville. Tu trouves c'est pire encore. Non, je vais aller au Gabon. Et tu penses qu'il y a, il y aura sur cette terre quelque part où tu seras tranquille? Pour le moment, il n'y en a pas. Banama prêché, laissez échapper la pression. Ça va vous amener à prendre des décisions hâtives. Tu vas dire, tu vas aller chez les médecins. Les médecins n'ont pas de réponse. Parce que eux aussi, ils sont tourmentés par cela. Ils ne savent que faire. On fait l'examen. Mais on ne trouve rien. Mais tu n'es pas malade. Mais entre-temps, toi, tu sens que je souffre. Et lui aussi, le médecin, quand il vient chez lui, il veut se débarrasser rapidement de toi parce que lui aussi, il a ses problèmes qu'il n'arrive pas à résoudre. Tout ce qu'il veut qu'il reçoive un peu, ne fût-ce que c'est 100 dollars rapidement ou 30 dollars. Qu'il puisse accueillir le plus grand nombre de patients pour résoudre ses problèmes. Mais non pas pour résoudre ton problème. Il veut que l'argent pour qu'il arrive à résoudre son problème. Irai-je? Ma tête est sur le point d'éclater. Je ne sais que faire. Comme Jacob. Comme Israël qui disait, oh, ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu. Tu commences à dire, mais qu'est-ce que je veux faire? Dès que tu entends qu'il y a une solution quelque part, tu cours. Pensant que là-bas, il y aura la solution. Quand tu entends qu'il y a quelque chose là-bas, tu cours. Tu n'as plus le temps de lire la Bible. Tu n'as même plus 2 minutes à prier. Parce que toutes ces choses s'apaisent. Tu ne sais plus quoi faire. Et tu commences à rétrograder. Et parfois, cela amène les gens. Tu es ici. Non, que j'aille là-bas. Vous allez voir les gens, comme la Bible le dit. Les gens vont aller ici cherchant la parole. Cherchant où trouver la vérité. Non, j'ai appris que là-bas, si on me donne telle chose, je serai guéri. Tu cours. J'ai appris que là-bas, c'est mieux. Tu cours. Non, tout ça, ce n'est pas tellement que c'est la chose véritable. Mais c'est la pression qui agit sur chacun d'eux. La médecine ne sait quoi faire. Eh bien, vous ne pouvez rien. Les médecins
Monganga. Lui aussi. Yepe lokola. Il ne sait rien faire. Ayebite asala nini. Il vous donnera un calme. Et dès que l'effet de ce calme est fini, vous êtes plus nerveux qu'avant. Bongo soki moi kiso apesa ki wana nguya na ngwesili. Kanza et comme il soumigne coléka. Et c'est comme un homme ivre qui prend un verre de plus pour surmonter son ivresse. Et lokola moto oyo boya langwe azale kozwa masanga abaksa vele moko lisuli kolo po ete kolangwa na esila. Le médecin, je suis malade. Non, si tu vas chez tel médecin, lui il résout les problèmes. Si tu vas là-bas, ça va, tu vas trouver la solution. Sous tension, tu es là-bas. Si tu prends ces médicaments, c'est fini. Et si, $200. Allez, on paie $200 quand on ça ne résout pas les problèmes. Et puis tu dis, oh Dieu, je vois que Dieu ne me connaît même pas. Je vois que Dieu ne m'aime même pas. Peut-être qu'il n'existe même pas. Peut-être que dans cette église-là, Dieu ne m'aime pas. Dès que tu apprends là-bas, tu cours. Mes frères, madame, mais dans tout cela, Dieu a la réponse. C'est Dieu qui a la réponse. C'est Dieu qui est notre secours. C'est ce que nous voulons prendre, c'est dont nous voulons parler aujourd'hui. Nous avons la réponse. C'est Dieu qui a la réponse. Il est la réponse. Christ est la réponse à chaque problème que nous avons. Christ azali eyano na likambo moko na moko obusoto azali na yango. Il est la solution à chaque problème. Ye azali eyano na likambo moko na moko. C'est le temps dans lequel nous vivons. Ezali tango oyo tozali kobika kati na yango. Ce sont des choses qui doivent arriver. Ezali makambo mayemasengeli kokokisama. Et le diable, qu'est-ce qu'il fait? Bongo satana ye azali kosala nini? Il envoie les gens dans les boîtes de nuit, les maisons des jeux, dans le péché, dans la dépravation des mœurs. Les gens regardent la télévision, des sales plaisanteries, de prendre l'alcool, tout ça pour se défouler, pour essayer de se défouler de ces choses-là. Mais ça ne part pas. Il n'y a rien dans tout cela qui résoudra les problèmes. Ainsi donc, je l'ai observé, la tension s'accumulait. Il est en train de parler de cette petite bête. Il y a un petit agneau. À un moment donné, il y a un lion qui s'approchait. Lui n'avait pas encore vu le lion. Mais il avait senti la présence d'un animal féroce. Et il commençait à s'agiter. Il voulait regarder ici, il regardait là-bas. Il ne sait pas où courir. Il s'en va là-bas. Il est tout. Il s'en va là-bas. Mais entre-temps, le lion était là simplement. En train de jouer de les regards. Mais lui, il était là agité. Il court là-bas. C'est comme s'il était dans un environnement. Il ne savait quoi faire. C'est le temps de la fin. Ce sont des pressions qui doivent venir. Ce sont des problèmes qui doivent venir. Et il n'y a pas moyen d'empêcher que cela n'arrive. Ça doit venir. Ça doit être là. La crise viendra. Les difficultés vont venir. Des problèmes difficiles vont venir. Quand aujourd'hui vous pouvez entrer
entendre de grandes nations en train de tomber. En quelque chose j'étais en train de penser. Aujourd'hui ce sont des pays comme la Chine. Aujourd'hui même difficile à croire la Russie. Que l'Amérique envoyait du blé pour aider la Russie il y a quelques années. La Chine, qui était un pays du tiers monde il n'y a que quelques 20 ans. Les pays occidentaux, ils se moquaient de la Russie. Ils se moquaient de la Chine. Pays du tiers monde. C'est le pays où il n'y a pas la liberté. Il n'y a pas la démocratie. Et nous, de notre côté, c'est le capitalisme. C'est la liberté. Chacun peut se débrouiller. Chacun a le droit de faire ce qu'il veut. C'est la démocratie. C'est la liberté. Et il parlait même de ultra-liberté. Maintenant que chacun fasse ce qu'il veut. Il s'est vanté de ce système. Il s'est moqué de la Chine. En voyant que c'est la dictature. On impose. Il ne faut pas faire ceci. Mais ici, chez nous, chacun fait ce qu'il veut. Chacun est libre. Et dans cette liberté en Amérique. Dans cette liberté-là, on a fait entrer toutes sortes de bêtises jusqu'au point où on a même rejeté Dieu lui-même. On a rejeté la Bible. On a rejeté tout. Dans cette soi-disant liberté, dans cette soi-disant démocratie, la Chine, nous on pensait que c'était la dictature. Aujourd'hui ce sont des pays très puissants. J'entends la Russie qui dit, moi aujourd'hui je suis prêt à aider l'Europe pour se relever. La Chine, j'ai beaucoup d'argent pour pouvoir aider l'Europe. Là où on pensait que chacun est libre, chacun peut faire ce qu'il veut. Aujourd'hui, ce monde est en train de s'effondrer. J'ai lu beaucoup de livres des économistes, des grands politiciens, la mort du capitalisme, la mort de la démocratie, et tout ça, ça vient. Ça commence à peser sur les gens. Et les gens ne savent plus quoi faire. Ils cherchaient moyen, un endroit où se défouler. Ça pèse. Ce qu'il en est aujourd'hui, ce qu'il y a dans les gens, c'est qu'ils sentent maintenant la l'imminence de quelque chose. Il y a une tension qui vient. Il y a la pression qui vient. Et dans un autre message, toujours laisser passer la pression. Frère Branham va parler maintenant de l'aigle. Il va montrer qu'en Israël, quand l'homme, tu étais sous tension, tu étais sous tension, tu ne savais quoi faire. Dieu avait déjà pourvu une petite ville de refuge. Un endroit où, quand on est en train de te chercher, on est en train de te chercher. Tu sens que tu es sous pression. Tu sais fuir à cet endroit. Et quand tu te retrouveras là-bas, tu es maintenant dans la paix. Tu es maintenant tranquille. Tu peux maintenant courir. Parce que là où tu étais, tu ne peux même pas
pas sortir. Tu ne peux même pas aller ici. Tu ne peux même pas courir. Tu y es enfermé. Parce que tu es sous pression. Parce que tu es recherché. Mais il y a une ville. Un petit endroit que Dieu a pourvu. Pour que quand tu seras là, tu te sens complètement déchargé. Et à ce moment-là, tu peux maintenant courir partout. Et il n'y aura personne qui va te faire du mal. Et frère Banam dit, Dieu nous a comparé à des aigles. Pourquoi? Comme la Bible nous dit, il va nous faire rajeunir comme l'aigle. Quand des problèmes, il y a trop de problèmes, tu commences à vieillir. Tu regardes, mais tu es jeune, mais comment tu sembles être vieux? C'est quoi ça? Ce sont des problèmes. Ce sont des charges. Ce sont des difficultés. Ça commence à peser sur toi. Frère Banam dit, Dieu, il nous a comparé à des aigles. Cet aigle, c'est un gros oiseau. Je n'ai pas le temps de révéler ce qu'il est. Comment il construit son nid et comment il ne ressemble pas à son frère dénominationnel, le poulet. Un fouilleur de la basse-cour. L'aigle va très haut. Il veut s'assurer que rien ne dérange ses petits. Il va très haut. Aucune bête ne va attraper ni ses petits ni lui. Oh, il n'est pas étonnant que Dieu ait comparé son héritage à l'aigle. Il nous rajeunit comme l'aigle. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Dieu nous compare à des aigles. Vous savez, lui-même il s'est dit un aigle. Et nous sommes des aigles. L'aigle n'est pas un charognard. Tous les jours il se nourrit de la viande fraîche. La nourriture de l'aigle, ce n'est pas une expérience il y a 40 ans. Mais c'est quelque chose de frais qui vient du ciel. Le brave aigle construit son nid très haut. Là où il y a les rochers. Hein, il a toujours une vision des grandes choses. Des choses élevées. Non pas dans l'orgueil, mais c'est ça ce qu'il est. Hein, afin que les fourmis ou autres ne l'attrapent pas. Mais son frère dénominationnel, hein, il est là en bas dans la basse-cour. Mais un aigle, il ne pourrait pas manger toutes ces choses sales. Quand cet aigle arrive à un certain endroit, la Bible nous dit que nous rajeunissons comme l'aigle. Il dit Dieu nous rajeunit comme des aigles. Parce que des choses ont tellement pesé sur nous. Nous ne savons même plus comment marcher. Nous devenons comme des vieillards. Nous ne savons plus aller à l'église. Nous devenons vieux. Nous ne savons même plus lire la Bible.
Même si nos yeux sont encore bons, mais tu ne peux plus lire la Bible. Tu deviens incapable de lire la Bible comme si c'était un vieillard. Tu n'es plus capable d'aller à l'église comme si quelqu'un il est malade, alors qu'apparemment tu n'es pas malade. Mais ce sont des problèmes qui pèsent tellement sur toi. Tu deviens comme un vieillard. Tu ne sais plus lire la Bible. Tu t'énerves à n'importe quel moment. À la maison, ça ne marche pas. Au travail, ça ne marche pas. Les choses ne marchent pas. Et pourquoi? Parce que je suis devenu comme un vieillard. Et Branham dit, mais la Bible nous dit que nous rajeunissons comme l'aigle. C'est toujours dans Élysée chapitre. Je me suis demandé, rajeunir, comment cela peut-il se faire? Comment cela peut se faire? Ces vieils aigles, à un moment donné, il attrape une croûte sur sa face. Sur sa tête, quand il vieillit, il peut à peine manger, difficilement manger. Il maigrit. Son bec ne peut pas s'ouvrir correctement. Il devient presque aveugle. Il croûte là dans l'œil. Toutes sortes de choses. Et quand cette croûte pousse jusqu'à un certain point sur la tête, on dit qu'il vole très haut dans l'espace et il reste là. Il cogne sa tête contre un rocher pour faire tomber, si possible, cette croûte. Hein, parce qu'il ne sait plus bien voir. Il ne sait plus bien manger. Il sent que maintenant il pèse. Parce que il commence maintenant à sentir qu'il vieillit. Il cogne la croûte. Il cogne. Et cela doit tomber. Cela doit tomber, sinon il va mourir. Il doit faire tomber cette croûte de sa face et de son bec. Et il cogne sa tête d'un côté puis de l'autre. Quand il a cogné contre ce rocher, il cogne, il cogne, il y a du sang. Il crie. Alors il crie. Il bat ses ailes. Il se réjouit. Car il sait qu'il va avoir de nouvelles plumes. Il va encore absorber des vitamines. Il va rajeunir. Et je me suis dit, quelle chose merveilleuse pour les aigles. Quand ça pèse trop, l'aigle doit faire quelque chose. Il doit se cogner contre les rochers pour rajeunir. Non pas juste papa aller ici et là. Il doit aller vers le rocher. Se cogner. Se donner des coups. Même si ça fait mal. Mais il sait que c'est important. Parce que ça va me rajeunir. Je connais un rocher auquel un homme peut venir se cogner continuellement. C'est le Seigneur Jésus. C'est ça, cette ville de refuge. Jusqu'à ce que tout doute soit parti. Jusqu'à ce que les soucis et les inquiétudes du monde soient partis.
En cognant, il a ôté la croûte du péché qui l'environnait. Il peut simplement s'asseoir là et laisser échapper la presse. Ça pèse trop les soucis. Oh, j'ai des problèmes, je ne sais pas payer les loyers. Je ne sais pas si porter le minerval. Je ne sais pas faire ceci. Et tout ça, et spirituellement, ça pèse. Tu ne sais plus lire ta Bible. Tu ne sais même plus ouvrir ta bouche même pendant 2 minutes pour prier. Ah, mais qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que moi je veux devenir? Où est Dieu dans tout ça? Où est-ce qu'il est, ce Dieu-là? Quand on parle, il est Dieu. Où est-ce qu'il est, ce Dieu-là? Je suis en train de mourir. Tu perds la foi. Parce que frère Banam dit que les inquiétudes et les soucis n'ont aucune vertu. Ça enlève toute la foi qui est là. Au fait que même si tu pries au Dieu, comme tu n'as pas la foi, comme tu n'as même pas plus confiance en Dieu, c'est fini, tu n'auras rien. Parce que la Bible dit, ceux qui espèrent, ceux qui se confient en l'Éternel, renouvelleront leur foi. Ceux qui comptent sur Dieu, même si la chose devient difficile, mais je crois que Dieu il va me secourir. Je crois qu'il est mon rocher. Même si les ennemis sont nombreux, même si les difficultés sont grandes, mais je crois qu'il est Dieu. Il va me secourir. Il va m'aider. Parce que le médecin ne me donnera pas la solution. Partout où tu courras, ici et là, tu n'auras pas la solution. Il n'y a qu'une seule personne qui a la solution. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est mon rocher. Satan a affaibli. Et beaucoup aujourd'hui, beaucoup vont s'affaiblir. Beaucoup vont s'affaiblir. Les églises vont se refroidir. Les prédicateurs vont se refroidir. Pour dire, bon, laissons les choses aller comme ça. Que chacun fasse ce qu'il veut. C'est le libéralisme. Que chacun fasse ce qu'il veut. Les croyants disent, bon, ah non, non, moi je veux être un ultra-libéral. On n'a plus besoin de quelqu'un qui doit nous contrôler tous les temps. Nous voulons la liberté. Bon, je dois aller là-bas. J'ai appris qu'il y a tel médecin. Hein, il lui donne un peu d'eau. Tu ne sais même pas l'eau qu'il lui donne là, c'est quoi. Tu prends cette eau. Tu tombes encore malade. Notre frère Lambala qui est mort. On me dit, à un moment donné, il était malade. Il souffrait à un moment donné des tensions. Ça fait un bout de temps. Bon, mais ça allait mieux, de mieux en mieux. Mais un jour, on lui dit non. Pour que tu te sentes mieux. Bon, on a des produits de chance ici. Bon, venez, allez, prenez tout ça. Il a pris tout un paquet. Mele. Après, la chose s'est empirée. Il a commencé à vomir. Et depuis ce temps-là, ça fait, c'est pas 3 ou 4 ans. La situation s'est empirée.
commencer à forcer, à donner ceci, ma la grâce de Dieu, les garder toujours. La garder toujours. Et quelque chose de spécial. Quand il sentait que vraiment il n'allait plus bien. Comme un bon papa. Il va aller acheter des Bibles. Bible pour chacun de ses enfants. Mes enfants, je n'ai rien à vous dire. Mais je vous laisse, si je m'en vais, je vous laisse cette Bible. Restez avec cette Bible. Restez avec ce message. C'est une grande richesse. Si vous m'aviez vu être un bon papa, restez dans, avec vous jusqu'aujourd'hui. C'est à cause de cette Bible. C'est à cause de ce message. Gardez cette Bible, mes enfants. Je dis que ça, c'est un papa. Azali tata. Ça c'est un vrai papa. Oh, yo, tata ya solo, solo. Comme Branham l'a dit, le Branham, le plus grand mémorial que je vais laisser à mes enfants, ce ne sont pas des maisons, Ezali banda kote. Ce n'est pas de l'argent, Ezali mosolo te. Mais c'est la parole de Dieu, Ezali liloba na nzambe. La parole éternelle, liloba ya seko na seko ya nzambe. Et tout ça, quel temps dans lequel nous vivons. Oh aigle d'aujourd'hui. Oh pongo ya lelo. C'est pour cela que vous êtes ici. Vous êtes des aiglons. Si la croûte a commencé à vous aveugler, Branham dit, les soucis du monde. Makanisi ya mokili. Soucis. Mabanzo natina na makambo ya mokili. Trop ya ceci. Likambo boye. Non, c'est ce que Jésus a dit. Ezali o Yesu alobaki. Que les soucis de la vie. Ete mabanzo ya bomoi. Ne puisse pas apesantir vos cœurs. Eko matena kotia bozito kat na mitema na bino. Les soucis d'avoir ceci. Mabanzo ya kozwa boye. Mabanzo ya kozwa boye. Ah, vous pensez que celui-là il est meilleur. Ezali o kanisa ete moto wana kuna ndaze malamu mingi. Tu commences à envier celui-là. O bani ko lula moto wana kuna. À la maison, il n'y a rien à manger. Ah, des colères inutiles. Ah, mais il y a quelqu'un qui peut nous donner la solution. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Mes amis, que Dieu puisse nous rajeunir. Beaucoup de croyants vont rétrograder. Les églises vont tomber. Et quand ça tombe, là, cela ne veut pas dire qu'ils vont abandonner la parole. Non, non. On va rester toujours là. Mais lire la Bible, ça n'existe plus. Aller à l'église, ça commence à se réduire. Ça commence à réduire le nombre de jours. Bon, bon, non, qu'on aille même une fois par semaine, ça suffit. Qu'on aille même si on fait 15 minutes de prière, bon, ça suffit. Il y aura beaucoup de choses qui vont arriver. Parce que les temps sont très, très mauvais. On est dans une grande zone, une zone de turbulence. Les croyants, beaucoup vont rétrograder. Et rétrograder, cela peut-être ne veut pas dire qu'ils vont abandonner. Ils vont rester toujours. Bon, nous sommes dans les messages. Mais Kasi, la vraie vie, il y en aura pas. Ça va beaucoup diminuer. C'est pourquoi ce soir, pendant ces réunions, vous allez apprendre des jours qui viennent, des révoltes même dans des pays riches. Là. Vous allez apprendre des choses incroyables. Branham dit, si cette croûte commence à vous aveugler, les soucis du monde,
Si vous n'arrivez pas à avaler toute la nourriture de Dieu, tu n'as plus le temps de lire la Bible. Tellement il n'y a que les soucis. Allez travailler. Tu vas travailler, tu n'as plus le temps de lire la Bible. Tu n'as plus le temps même de rester pour prier avec ta famille. La croûte et coco ana ça commence à t'affecter. L'aigle n'est plus capable d'aller très loin. Bongo, allez sur la macoquille à rokene musikate. Parce qu'il ne voit pas là où il va. Zambia, allez comme on a les soutes et pas ikani, allez rokene. Ça commence à tellement peser qu'il ne sait plus aller très loin. Eh, bandi penya ko zwabozito mingi kolona eno lenge dans sur la macoquille musikate. Bondela. Oh Dieu. Oh Zambe. Maboko alembi. Vous voyez les frères pendant qu'on est en train de prier. Fatigué. Alembi. C'est quoi? Niniango. Ah. Ma problème. J'ai prié. Na bondela. Où est Dieu dans tout ça? Nzambe kat na nyoso wana ye wapi? Quand vous les voyez là, il est mort. C'est fini. Et Sili. Et ça va aller comme ça. Ça va aller comme ça. Demain, je ne viens plus à cette église. Demain, je vais aller au coin ici. Nous mais ceux qui vont persévérer. Branham dit, si vous n'arrivez plus à manger la parole, venons à ces rochers dans une terre altérée. Venons là et cognons-nous contre l'autel. Jusqu'à ce que la croûte se casse. Et que nos yeux voient de nouveau Jésus. Tu puisses croire encore, non, il est vivant. Non, c'est Jésus-là, il est encore réel. Il peut encore me donner la solution à mon problème. Cet amour que tu avais il y a quelques années, cet amour que tu avais pour lire la parole, cet amour que tu avais pour prier, pour aller vers le frère, regardez aujourd'hui, aller vers le frère, parler sur la parole, ça n'existe pas. On a beaucoup plus de temps pour parler sur la politique. Celui-là, perdre toute la journée. Et pourquoi on parle de la politique? Parce pourquoi on passe tout le temps pour ça? Parce que l'homme espère que quand ce politicien là sera là, si celui-ci est là, si celui-là est là, lui il va résoudre mon problème. Non mon frère, il ne résoudra les problèmes des personnes. C'est lui qui a la réponse, c'est le Seigneur Jésus. Il ne résoudra aucun problème. Aucun problème. Ceux qui se confient renouvelleront. Ils vont voler comme l'air. Ils vont aller très loin. Pourquoi? Parce qu'ils ont la force. Ceux qui connaîtront leur Dieu, ils feront des exploits. C'est Dieu qui a dit, et il ne ment pas, au milieu des difficultés, au milieu des problèmes, au milieu des tourments, vous voyez d'autres personnes qui réussissent, qui gagnent. Parce qu'ils espèrent en Dieu. Parce qu'ils ne regardent qu'à Dieu. Branham dit malheur à l'homme qui se confie
dans l'homme. Il pense que non, cet homme-là, quand il sera député, oh, c'est fini, moi, c'est, mon malheur est fini. Tu te trompes. Quand il sera député, c'est pour gagner son argent. Il ne pensera même pas à toi. Mais toi, tu as quelqu'un à qui tu dois penser. C'est le rocher qui suivait les enfants d'Israël. Quand ils avaient soif, il y avait un rocher qui pouvait pourvoir aux besoins des enfants d'Israël. Même quand ils commettaient des erreurs, il y avait un rocher qui pardonnait leurs fautes. Un rocher, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand ils avaient faim, ces rochers leur donnaient la main. Même quand ils avaient besoin de la viande, ces rochers leur donnaient la viande. Quand ils ne savaient pas traverser la mer, ces rochers-là, c'est lui qui a ouvert la porte. Ces rochers-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est revenu dans ces derniers jours. Les voilà là, les rochers de Daniel, la pierre des fers, les rochers de David. Pour faire quoi? Pour résoudre ton problème. Venons-là et cognons-nous contre l'autre. Que nos yeux voient de nouveau Jésus. Et que les soucis du monde soient dissipés. Alors la pression s'échappe. Il est un rocher dans une terre altérée. Il est un abri dans la tempête. Il est un refuge pour celui qui est malmené. Il est un lieu de repos pour ceux qui sont fatigués. Venons à cet endroit. Et lui, il te donnera de nouvelles femmes. Même si j'ai 20 ans dans le message, même si j'ai 30 ans dans le message, mais je sens que j'ai toujours la force. J'ai toujours le même amour que j'avais. J'ai toujours la même persévérance. Ça continue. Branham a dit, vous êtes vraiment un aigle. Mais il se peut que les soucis de la vie vous ont en quelque sorte combattu rudement et que vous avez perdu la vue. Vous n'êtes plus très sûr de l'endroit où vous posez les pieds. Tu te demandes, est-ce que c'est l'endroit correct? Est-ce que Dieu écoute encore les prières? Est-ce que Dieu est encore réel? Tu entends là-bas, tu es là-bas. Tu entends là-bas, tu es là-bas. Tu entends là-bas. Comme Saül. Quand Dieu l'a abandonné, quand Dieu n'écoutait plus ses prières, il est vers là, il est allé vers la sorcière. Et aujourd'hui, ce sera la même chose. Les tensions seront là. La pression sera très forte. Et beaucoup vont abandonner. Mais ceux qui se confient en l'Éternel, Dieu, il donne la force à celui qui est fatigué. Si tu es fatigué des problèmes, si tu es fatigué de long voyage, il y a quelqu'un ce soir qui va te donner de nouvelles forces pour reprendre les voyages. Reprendre la prière. Qui ait encore confiance qu'il peut résoudre les problèmes. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Ah, quelqu'un, tu sens que maintenant ça ne marche plus.
ceux qui se confient en l'Éternel. Oyoboye ami pensé pas na Yahweh. Cognons-nous simplement contre ces rochers. Tomi tuta bobele na libanga yango. Oh, conduis-moi à ces rochers. Oh, kambangai na libanga yango. Que je me couche sur ces rochers. Eh tenamilala likolo na libanga yango. Il est un abri dans la tempête. Azali e bomba melo na tango na ekumbaki. Commencez simplement à cogner. Banda bobele komi tuta. La pression. Botindikami. Bozito. Bozito. Vous quittera. Ekolongwa. Ce soir. Napo kwa ya lelo. La pression va partir. Bozito. Boko kende. Vous pourrez alors vous reposer de nouveau. Okokoka. Kope malisusu. La pression est complètement partie. Bozito. Simanango boko kende. Branamri. Branamalobi. Vous pouvez venir à l'église. Okoki koya na losambo. Bon, la semaine allait à quoi? Qu'est-ce que je vais aller faire? Trop de problèmes. Makambu maleki. Il n'y a rien là-bas. Mais ce soir, na poko ya lelo, si tu as confiance à ces rochers, Dieu peut faire quelque chose pour toi. Il va le faire. Alors vous viendrez de nouveau à l'église. Peu importe ce que le pasteur prêche, tant qu'il reste dans cette parole de Dieu, cela ne vous condamnera jamais. Vous êtes déjà ancré dans la parole. Tu sens que c'est bien pour pouvoir m'aider. Mais quand il y a beaucoup de pression, pourquoi là-bas. Pourquoi il a dit ceci? Tout ça, ce sont des pressions, des problèmes. Comme à la maison. La famille dit, pourquoi tu as dit ceci? Tu viens à l'église, pourquoi le pasteur a dit ça? Pourquoi le frère a dit? Pourquoi la sœur a fait ça? Des problèmes. Mais venons au rocher. Toya na libanga. Le rocher de David. Libanga ya David. Le rocher de Daniel. Libanga ya Daniel. Le Seigneur Jésus Christ. Kolo Yesu Christo. Et ce soir, na pokwa ya lelo, il pourrait vous donner de nouvelles forces. Nous ne savons pas combien de temps il nous reste. Toyebite tango bone tikani na biso lisusu. Peut-être qu'on ne sait jamais. Mbala mosusu toyebite. Quand je lisais ce livre du petit pèlerin, on nous a montré comment les voyageurs, quand ils commençaient à voir le pays, des ennemis sont devenus nombreux. L'un vient, donc moi je vais faire ceci. Moi je vais faire ceci. Il y en avait, ils étaient nombreux. L'un part, l'un part. Quand on s'approchait, Frère Branham a parlé beaucoup de ce livre. Les voyages du petit pèlerin. Ces bons pèlerins, quand ils s'approchent de la ville, beaucoup de pression. Beaucoup de problèmes. Beaucoup de difficultés. Mais il y a quelqu'un ce soir qui est prêt à vous aider, à t'assister, à te donner la solution, à enlever cette pression. Il ne va pas te donner le calme, mais il va guérir la maladie. Il va réellement te donner la paix. Croyez-vous qu'il peut le faire ce soir? Il va le faire. Moi, j'attends, je me confie en lui pour qu'il le fasse. Et je veux qu'il le fasse aussi pour moi. Qu'il le fasse pour moi pour les années qui me restent. Hein? Je ne sais pas combien de temps. Mais Dieu renouvelle ma foi. Il y a eu trop de pression. Il y a eu trop de problèmes. Mais Seigneur, je viens à toi. Le rocher de David. Le rocher de Daniel. Bien, Seigneur. Voilà la quatrième personne qui est descendue dans la fournaise. Alors qu'il y avait un feu.
qui pouvait brûler. Mais la quatrième personne, le rocher, Jésus, quand il est descendu, il a anéanti la puissance. Il est capable de la faire. Les gens seront étonnés de voir que tu es dans une fournaise d'affliction. Tu es dans une fournaise de problèmes. Et tu es calme. Ta famille est calme. Tu comptes encore sur Dieu. Pendant que ce feu sortait dehors, et ça pouvait brûler les gens qui ceux qui étaient à l'intérieur, ils étaient protégés. Pendant que les mêmes efforts, les mêmes tentations, les mêmes soucis, ça tue beaucoup. Et toi, ton rocher, Jésus-Christ, il te garde, il te préserve. Et les gens ne comprennent pas. Il n'y avait personne qui pouvait s'approcher. Il n'y avait personne qui pouvait s'approcher pour regarder, pour comprendre. Mais pour comment, qu'est-ce qui se passe? Le roi, il vient, il se tient la loi. Shadrach, Shadrach, Meshach, Meshach, Abednego, Abednego, votre Dieu en qui vous avez placé confiance, est-ce qu'il vous a aidé? Asungi bino. Oui. Io. Il est le même Dieu ce soir. Dans cette fournaise des afflictions, il est capable de te garder. Mon frère. Il est capable de te donner la paix. Il est capable de te donner des nouvelles ailes. Et tu vas aller très loin. À partir de ce soir, à partir de ces réunions, Dieu m'a donné un nouveau souffle. Il m'a donné des nouvelles forces. Je peux m'en voler. Je peux aller très loin. Ceux qui connaîtront leur Dieu, ils feront des exploits. Connaître que ce Dieu ne m'abandonnera pas. Il sera avec moi. Nous allons nous tenir debout. Croyant que ce Dieu-là, il va résoudre mon problème. Il est le rocher qui me cache. Il va résoudre ton problème. Nous chantons. Il est un ami. Azali moninga. Qui au moment de souffrance. Chantons d'abord Rock Soki séculaire. Libanga ya bileko. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Il est le rocher. Azali Libanga. Appelle-moi.
Ne dites pas il ne connaît rien. Ne dites pas mais mon avenir. C'est compromis, je ne sais plus qu'est-ce que je vais devenir. Ces enfants, comment je vais encore les élever? Mon rocher, il connaît tout cela. Mon rocher, il avait annoncé que ces jours mauvais viendront. Tu connais mes souffrances. Tu connais mes douleurs. C'est pourquoi ce soir, je viens. La ville des refuges. Que la
Dieu a pourvu d'un lieu pour la sécurité. Nzambe abongisi esika moko pona kobombama. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Kombo na Yahweh ezali etutu ya makasi. Les justes s'y réfugient. Moyenge beni azali komibomba. Et il se trouve en sécurité. Pe azali kati na bobatelami. Que ça soit, Branham dit, que ça soit en temps de maladie. Branham azali koloba, ezala na tango na pasi, ozali kobela. Quand la maladie frappe, tango bokono bobeti. Et que le médecin dit, je ne puis plus rien. Pe te monganga lobi. N'accumulez pas la pression. Laissez échapper la pression. Appelez votre pasteur et qu'il vous oigne d'huile. Bianga mokaminayo pe apakola yo mafuta. La prière de la foi sauvera le malade. Laissez échapper la pression. Même si le médecin dit tu vas mourir. Ne te fais pas de problèmes. Dites-lui, monsieur le docteur, je suis un croyant. Dieu est capable de me guérir. Et même s'il ne me guérit pas, s'il trouve que c'est le moment pour moi de partir, je suis heureux de partir. Je ne crains pas la mort. N'accumule pas la pression. Ça va t'éloigner de la foi. Et le diable va te pousser même d'aller voir une sorcière. Mais crois la parole. Aie confiance en Dieu. Il va te secourir. Quand il verra que tu n'as pas d'autre secours que lui, alors là il va agir. Quand tu es poussé à bout, pas poussé à bout en disant, bon, je n'en peux plus rien, ces affaires de Dieu, etc. Je ne crois plus. Mais poussé à bout à dire, Seigneur, je ne sais plus où aller. Tu es la seule réponse à mon problème. Je ne compte que sur toi. Je ne ferai rien. Je regarderai qu'à toi. Tout ce que tu voudras, c'est ce qui m'arrivera. Alors Dieu agira. Pendant que nous avons les têtes inclinées, si vous n'êtes pas dans ces rochers ce matin, ce soir, voudriez-vous lever la main vers Dieu et dire, Oh Dieu, fais-moi entrer dans cette zone de sécurité. Salaete ngala ko kokota
Là où je peux laisser échapper la pression. Je suis un peu fatigué. Je commence à me voir aller à la dérive. Je sens que je m'éloigne. Je n'ai plus l'expérience que j'avais. Ce soir, ramène-moi immédiatement au rocher. Ramène-moi au rocher. Je vais à la dérive. Ne me laisse pas m'éloigner, Seigneur. Accorde-moi ta grâce. Aide-moi, Seigneur. Prions le Seigneur. Combien, Seigneur? Boni Kolo, en ces temps si mauvais, Natango Yoboye, Yamabe Koleka, nous avons besoin d'un tel message. Tose na bosenga ya sango ya lolenge oyo. C'est pourquoi nous disons si Branham n'était pas venu. Yangwana tozale koloba soki Branham aya kate. Où serions-nous ce soir? Tolinga ki kozala wapi na pokwa ya lelo. Nous serions là agités, pensant que nous sommes toujours des croyants alors que nous sommes déjà loin. Mais Père bien-aimé, il a été annoncé que nous vivrons des temps difficiles. Il a été annoncé que les jours seront très mauvais. Cela doit arriver. Ta parole doit s'accomplir. Mais au milieu de tout cela, tu as promis aussi que tu seras avec tes enfants. C'est pourquoi, Père bien-aimé, nous ne voulons pas nous laisser emporter sous la pression des événements, sous la pression des circonstances. Descends ce soir dans cette fournaise de l'affliction. Sois à côté de chacun de tes enfants pour enlever les poids dans leur cœur, pour enlever les soucis dans leur cœur. Tu as dit, cette semence qui est tombée sur les épines, c'est quelqu'un qui reçoit la parole. Mais les soucis de la vie, les soucis du siècle présent, étouffent la parole. Et il ne produit plus de fruits. Père bien-aimé, combien nous allons voir de croyants, des serviteurs de Dieu, à cause des soucis et des problèmes de la vie, ils ne savent plus porter des fruits. C'est pourquoi, Père, nous venons humblement lever nos cœurs devant toi pour que tu enlèves ces épines, tu enlèves ces soucis, tu donnes la paix à tes enfants, qu'il y ait la faim, qu'il manque de quoi que ce soit. Paul a dit, ni la famine, ni les souffrances, ni quoi que ce soit d'autre, ne m'éloignera de l'amour de Jésus, manifesté en Jésus-Christ. L'amour de Dieu en Jésus-Christ. Père,
ce soir. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, prends le fardeau de tes enfants. Prends-les sur tes épaules. Donne à chacun la paix. Donne à chacun la tranquillité. Donne à chacun la véritable paix. Qu'il sache que toi tu es Dieu. Et que tu es la solution à tous nos problèmes. Aux malades, qu'ils soient guéris. Aux ceux qui ont des problèmes, qu'ils reçoivent la solution. Et que chacun de nous ait la paix, la tranquillité. Alors que le monde est bouleversé, David a dit qu'il y a un sanctuaire. David a dit qu'il y a un endroit. C'est Dieu qui demeure là. Ils ne sont pas bouleversés. Aide chacun de nous. Que nous ne soyons pas bouleversés. Que nous ne soyons pas emportés. Mais que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde chacun dans la parole, dans la foi, dans l'amour, dans la paix, et que ceux qui ont rétrogradé, qu'ils soient ramenés à la parole. Ceux qui s'éloignaient, pensant que Dieu n'est plus là, pensant que Dieu les a rejetés, Dieu bien-aimé, donne à chacun un signe pour leur montrer que tu y es avec eux. Donne à chacun un signe qu'ils sachent que tu les aimes. Prends-les sur ton épaule et ramène-les à la maison. Ramène-les dans la foi. Ramène-les dans la Bible. Seigneur, Colo, qu'il y ait à manger ou pas, qu'il y ait l'argent ou pas, nous voulons quelque chose. C'est le Seigneur Jésus. Rentre dans nos maisons. Rentre dans nos cœurs. Rentre dans nos vies. Donne à chacun maintenant des nouvelles forces. Qu'il vole comme l'aigle. Qu'il aille loin. Là où le diable ne peut plus la terre. Là où les pensées du monde ne peuvent plus la terre. J'abandonne cette église en toi. Père bien-aimé, c'est ça mon vœu, que tu leur donnes de nouvelles forces, que tu renouvelles leur amour pendant que le monde est en train de s'effondrer. Donne-leur de nouvelles forces, donne-leur de nouveaux espoirs, une nouvelle révélation, une nouvelle confiance. Toutes choses nouvelles. Et accorde-moi aussi. Renouvelle mes forces. Renouvelle mon amour pour toi. Que je sache que ce travail est difficile. Que je ne puisse pas me soucier pour ça. Que ce travail, je rencontrerai beaucoup de problèmes. Beaucoup de combats. Beaucoup d'ennemis. Mais peu importe que je sache que toi le Dieu de William Branham, tu es avec nous, tu marcheras avec nous, tu m'aideras Seigneur. Père bien-aimé, que tu m'accordes la grâce pour que les années à venir, même si ça peut sembler plus difficile, mais que ça semble plus glorieux, qu'il y ait plus de paix dans les cœurs, plus de foi en toi, beaucoup de persévérance, beaucoup de paix, beaucoup de tranquillité.
Père bien-aimé, Tata Molingami, ce n'est qu'ainsi que nous allons vaincre. Je m'abandonne entre temps. Pendant ces réunions, je vais me reconsacrer à toi. Kati na mayanga ni maye, na komikabali susu epai na yo. Donne-moi de nouvelles forces. Donne-moi, Seigneur, de nouvelles révélations. Donne-moi, accorde-moi, renouvelle ta grâce. Pour les jours à venir. Pour conduire ton peuple. Dans le chemin de la vérité. Dans ces temps de confusion. Dans ces temps si difficiles. Où nous devons traverser des voies difficiles. Mes pères bien-aimés, au milieu de tout cela, que je sache que toi, le Seigneur Jésus-Christ, tu es mon rocher, tu es mon refuge, Seigneur Jésus. Que je reste à côté de toi. Que rien ne m'éloigne de toi. Père bien-aimé, remplis mon cœur d'amour. Pour toi et pour ton peuple. De patience. Pour tes enfants. Pour ta parole. Et beaucoup de grâce. Pour rester fidèle. Jusqu'à la fin du voyage. Le chemin peut sembler sombre et difficile. Laisse-moi écouter chaque fois ta petite voix douce et tranquille. Qui me dira: va ici et va là-bas. Confirmé dans ce message et dans ta Bible. Bénis tes enfants ce soir. Accompagne chacun d'eux. Bénis la journée spéciale de demain. Où nous allons nous cogner contre les rochers. Jusqu'à ce que le sang coule. Et que nous sentions que nous avons eu de nouvelles forces. Je le crois que tu le feras. Renouveler notre foi. Zongisa, Père, sois avec nous demain. Tata, nous resterons là. Tokotika la wana. Priant. Fukami. Ko bondelaka. Ko gangaka. Jusqu'à ce que cette croûte tombe. Kino ete e koko yango e longwa. Jusqu'à ce que la chose qui nous empêche. Kino ete. Et lorsque vous allez vous péter sa bise, tombe. Et quoi? Et qu'à la fin, nous voyons ta grande puissance te déverser sur chacun et accomplir des miracles. Et dans souka, tombe dans guerre dans monène, consopana, l'icône na moko, peko sala, makamu ici. Je t'aime, Seigneur Jésus. Nalingio kolo Yesu. Accompagne tes enfants. Merci pour m'avoir gardé jusqu'à ce jour. Merci pour ta grâce et ta miséricorde. Merci pour tes grandes compassions. Merci pour Shekinah Tabernacle. Merci pour William Branham. Merci pour le message. Merci notre Père. Reçois nos actions de grâce. Reçois nos remerciements. Merci notre Père. Accompagne-nous, Père. Quel est le nom de la vie, Tata?
Garde-nous et surtout. Bate la biso koleka mingi. Renouvelle nos forces. Zongisa makasi na biso sika. Que nous puissions voler, voler loin. Et te toka kopimbwa. Topimbwa mosika. Comme les aigles. Lokola bapongo. Alors que je les laisse tous entre Thomas. Alors qu'ils doivent rentrer chez eux à la maison comme des véritables aiglons. Que ta grâce les accompagne. Et que leurs prières soient exaucées. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous disons tous. Amen.